Bonjour, merci d'être avec moi sur ma chaîne Cake Design de Ramuke. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Aujourd'hui, on va faire un tuto spécial Saint-Valentin. N'hésitez pas à consulter ma playlist dans laquelle il y a également beaucoup de tutos spécial Saint-Valentin. Je vous la mets en fin de vidéo. Aujourd'hui, pour notre gâteau, nous allons utiliser des emporte-pièces. Vous les trouvez facilement sur Internet. Je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos. Donc on va commencer par le gâteau, nous allons voir la ganache et la décoration. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Pour le gâteau, on va prendre le poids de 4 œufs. On prend le même poids en farine, en beurre et en sucre, en incluant le sucre vanillé. Donc on va faire fondre le beurre et le laisser refroidir. Et on ajoute aussi une cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. On a séparé les jaunes des blancs et là, on ajoute les sucres. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute le beurre fondu. On met la levure dans la farine. Puis on ajoute la farine petit à petit dans notre mélange. Et là, on mélange. On incorpore les blancs petit à petit. On n'oublie pas d'allumer le four pour préchauffer. Et là, c'est le four qui vient de sonner. Avant de verser notre appareil, on... Voilà, hop, on vient partout. On graisse le moule. On enfourne à 30 à 35 minutes à 180 degrés. On surveille bien la cuisson. Alors, on fait fondre le chocolat et on fait bouillir la crème entière liquide. Une fois que c'est fait, on mélange la crème liquide avec le chocolat en 3 fois. Et on filme au contact pour laisser refroidir. Voici le gâteau, il est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour un nouveau tuto.